Certes, il faut comprendre que c'est une situation qui a duré plus de 10 ans. Mais en 4 mois, ce que nous avons obtenu comme résultat nous permet d'espoir que ce premier domaine, qui est le domaine de la défense et le domaine sécuritaire, à travers les actions sur le terrain, à travers les actions diplomatiques qui nous permettront de renouveler nos domaines de coopération avec certains pays qui nous accompagneront dans le sens de prendre en main notre destin dans le domaine de la sécurité. Je crois que à travers le départ de l'origine du terrorisme sur notre territoire, je citerai notamment la France. Vous ne pouvez pas combattre un incendie avec de l'essence. Et pour nous, l'incendie terrorisme tire son essence du soutien que la France lui apporte. Nous avons pu dénoncer les accords de coopération en matière de défense. C'est un grand pas, un pas qui était là depuis plus de 50 ans. Nous sommes parvenus à le faire, Dieu merci. L'ambassadeur de France qui a voulu, au mépris des règles de relations diplomatiques, sous-estimer et mépriser les autorités nigériennes, a quitté le territoire. C'est également des actions concrètes que nous avons posées dans ce domaine de rétablissement de l'ordre sécuritaire. Monsieur le Président, justement, à quel niveau se trouve l'organisation du dialogue national inclusif nigérien qui a été annoncé depuis quelques semaines? C'est plutôt depuis quelques mois. Le dialogue a été annoncé exactement en septembre. Mais nous sommes des militaires. Nous sommes prévoyants. Et nous prévoyons l'imprévu. Au moment où nous avons voulu initier le dialogue inclusif, le dialogue national, nous étions confrontés à une menace évidente qui est l'hostilité de la France qui avait sur notre territoire, on parle de 1500 hommes, mais c'était plus de 2000 hommes. Face à cette hostilité, organiser un dialogue national alors que 1500 hommes sont sur la base aérienne de Niamey serait un risque. Nous avons certes entendu les gens sortir pour dire que nous avons reporté le dialogue, on ne sait même pas si c'est un dialogue sincère, si ça aura lieu. Voilà une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas organisé ce dialogue comme nous l'avons voulu initialement en septembre. En plus de cette menace de la présence des troupes françaises sur notre territoire et où c'était un impératif pour nous qu'ils quittent notre territoire, malgré l'hostilité ouverte des autorités françaises, nous avons pu faire partir ces troupes. À l'état d'aujourd'hui, il reste une centaine et ils vont partir. En plus de cela, vous savez que le Niger, même si c'est de façon télécommandée, faisait face dans la même période à une menace d'agression de la CEDEAO. Est-ce qu'il est rationnel pour nous, qui sommes des militaires, d'organiser un dialogue national en ce moment précis, avec toutes ces menaces, sans oublier les menaces terroristes qui bénéficiaient au moment bien précis du soutien de leurs sponsors? Toutes ces raisons, même si nous ne sommes pas sortis pour le dire ouvertement au peuple nigérien pour des raisons stratégiques, nous ont poussé
à sursoir. De ce grand rendez-vous à Niamey, et puisqu'il devait, en fin de compte, se tenir à Niamey. Voilà les raisons pour lesquelles le dialogue national inclusif n'a pas eu lieu, comme annoncé il y a 3 ou 4 mois de cela, mais c'est une certitude, ce dialogue aura lieu incessamment et vous aurez l'occasion bientôt de connaître les dates exactes retenu pour le dialogue national inclusif. D'accord. Dans la même lancée de la déclaration conjointe du 31 juillet, le 16 septembre, vous vous rappelez, nous avons signé la création de l'Alliance des États du Sahel. Cette alliance a pour objectif, puisque c'était le souci immédiat, le domaine sécuritaire, le domaine de la défense. Dieu merci. Nous avons mis nos moyens en commun et nous obtenons des résultats dans le domaine de la défense, dans le domaine de la sécurité, notamment dans le domaine du terrorisme. Parce que nous savons, nous sommes convaincus, nous avons des preuves que ce terrorisme est un terrorisme importé. Quelles que soient par ailleurs les raisons que les gens ont voulu faire avaler aux Nigériens et aux États du Sahel, ce terrorisme est un terrorisme sponsorisé. Nous avons pu nous débarrasser de certains sponsors et si vous le constatez, au Niger, au Mali et au Burkina, des résultats palpables sont obtenus dans le domaine de la lutte anti-terrorisme. Mais le terrorisme de ceux qui sont armés n'est pas le seul terrorisme. Nous avons le terrorisme des États du Sahel qui ne font pas moins que ce que les terroristes font. Combien de Nigériens sont morts sur les lits d'hôpital parce qu'on manque de produits pharmaceutiques? Combien de Nigériens meurent sur leurs lits d'hôpital parce que nous sommes privés même de l'électricité qui est pourtant un partenariat entre deux entreprises privées. Deux entreprises privées. Donc, quel est le sens du mot terrorisme quand on ignore que priver un pays du minimum en termes de produits pharmaceutiques, produits alimentaires, pour obtenir un accord ou pour contraindre le pays à faire des concessions politiques, c'est la même définition du terrorisme. C'est quoi le terrorisme? C'est l'utilisation de la violence contre des personnes innocentes pour contraindre à obtenir des concessions politiques. Et c'est ce que ces États de la CEDEAO font contre le Niger, c'est ce que ce terrorisme sponsorisé fait contre les peuples des États du Sahel. Et Monsieur le Président, ce jour 10 décembre, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se sont réunis à Abuja. Entre autres sujets importants, ils ont échangé sur la situation au Niger. Êtes-vous optimiste quant à l'issue de cette rencontre, Monsieur le Président? Pour moi, c'est l'intérêt national qui est au-dessus de toute considération. Nous avons demandé beaucoup de sacrifices au peuple nigérien. Le peuple nigérien, bénéficiant des soutiens des pays frères et amis, a supporté l'insupportable. Il est resté debout 4 mois durant 4 mois
de privation, malgré, c'est vrai, nos efforts multiples pour alléger cette souffrance. Mais le peuple nigérien est resté debout malgré ce manque, malgré cet embargo qui touche tous les domaines. Je l'avais dit que l'embargo que notre pays connaît n'a jamais été expérimenté nulle part ailleurs. Certains se sont amusés à établir un tableau. Oui. Consultez ce tableau et vous comprendrez l'intention machiavélique qui a conduit à cet embargo contre l'État du Niger. Mais penser par des actes terroristes, contraindre le peuple nigérien à céder, c'est sous-estimer, c'est méconnaître l'histoire. Le peuple nigérien est un peuple de guerriers. Nous sommes héritiers et dépositaires de ce que nos dignes prédécesseurs nous ont légué, la résilience dans l'épreuve, la cohésion dans l'épreuve. Certes, les temps ont changé, les hommes ont changé, les capacités ont changé. Mais le Nigérien, malgré ces changements, reste résilient. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons demander au peuple, exiger au peuple de continuer à souffrir de cette situation. Mon espoir, c'est que l'embargo soit certes levé, mais mon espoir, c'est plutôt c'est de voir la nouvelle voie que nous nous sommes tracée nous conduise, avec ou sans la levée de l'embargo, de répondre à l'espoir du peuple nigérien, l'espoir de vivre en paix et dans la prospérité. Et je reste convaincu que ce nouveau partenariat que nous sommes en train de mettre en place avec des partenaires qui comprennent la situation de l'État du Niger, qui comprennent les raisons de notre intervention, qui comprennent le caractère vital de notre intervention pour notre pays, j'ose espérer que dans un proche, très proche avenir, que ces partenaires nous accompagnent à rétablir l'équilibre. Et Inch'Allah, avec ou sans lever de l'embargo ou des sanctions, malgré la menace de reconduire l'agression, le peuple nigérien sera debout dans le domaine que nous aurons choisi à travers ce nouveau partenariat que nous voudrons pour le bien de notre pays. On nous a assez musilés, et le temps que tout un chacun comprenne qu'il va de l'intérêt de notre pays, intérêt qui a été spolié pendant plus de 100 ans. Quand on parle de 60 ans, 65 ans, c'est limité aux indépendances. Le Niger a été spolié avant les indépendances. Le Niger a continué à être spolié après les indépendances. Et il est facile de constater le degré de spoliation dont nous avons été victimes à travers les accords que nous avons progressivement dénoncés et que nous continuerons, Inch'Allah, à dénoncer pour le bien de notre peuple. Et ça, que personne n'en doute, nous allons poser des actes dans les jours, les mois à venir, Inch'Allah, qui
affirmeront davantage la souveraineté de notre pays et la prospérité retrouvée. Pour dire une fois de plus mon admiration pour le peuple nigérien qui est resté debout, pour dire mon admiration pour les forces de défense et de sécurité qui sont restées debout malgré les moyens limités, mais debout, allant jusqu'au sacrifice ultime pour préserver notre pays. Merci à l'ensemble des pays qui ont compris notre démarche, cette démarche de souveraineté. L'Aboussanine, comme le disent nos compatriotes Zantian Kassani, nous sommes pour l'intérêt national et nous défendrons l'intérêt national, quel qu'en soit le prix. Je saisis cette occasion également pour dire que le peuple nigérien, à travers ses autorités, ont supporté l'insupportable. À travers des accords qui nous ont entravés, ces accords, nous allons mettre les moyens qu'il faut pour les reprendre un à un pour le seul intérêt du Niger et du peuple nigérien. C'est un serment, c'est une promesse. Quel que soit le sacrifice, tous les accords qui ont empêché à notre peuple, à notre pays de bénéficier ou rentrer en possession de ce qui revenait de droit, que tous ces accords soient remis sur la table et que soit avec le même partenariat dans un esprit de l'intérêt national et de l'intérêt de l'investisseur soit accepté ou rejeté si le partenaire juge qu'il ne peut plus se retrouver par rapport à la nouvelle ou aux nouvelles conditions que nous allons exiger. Est-ce pas aberrant de découvrir que le Niger, pays classé toujours dernier de la planète, que ce pays renonce aux taxes et autres droits des entreprises françaises qui exercent au Niger sous le fallacieux prétexte et accord que les entreprises nigériennes qui seront installées en France bénéficieront du même traitement. Est-ce qu'on a même des vendeurs à la sauvette qui exercent en France? Non. D'accord. Donc, c'est pour comprendre à quel degré et ça fait plus de 60 ans que ça dure. Et quand j'entends que les Nigériens pensent que des actes n'ont pas été posés, je me dis que nous avons besoin de connaître notre pays. Est-ce que ce n'est pas aberrant à l'état actuel que ce soit le Niger qui paye les taxes aéroportières, les taxes douanières au profit des forces qui sont sur notre territoire? C'est des milliards que l'État du Niger paye à Souma et à l'ANAC, l'agence chargée de la navigation. Allez-y, demandez ce que nous devons payer. Mais c'est une promesse. Nous n'allons pas le payer. Que les Français qui doivent payer, payent. Nous avons dénoncé l'accord et à partir
de cet instant, nous ne payerons plus rien à aucune force, au profit d'aucune force présente sur le territoire national. C'est le summum, que ce soit le pauvre qui paye les charges du riche. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est aberrant? Et comment nos dirigeants ont accepté un tel accord? La raison ne nous permet pas de comprendre. C'est des domaines sur lesquels nous allons revenir, Inch'Allah, et tant d'autres domaines que vous me donnez l'opportunité de partager déjà avec nos compatriotes. Les jours à venir, Inch'Allah, seront édifiants. Mais les actes que nous avons déjà posés sont des actes qui ont perduré 60, 65 ans. Et que tous les régimes qui se sont succédés n'ont pas osé attaquer. Nous les attaquerons et nous les remettrons en cause. C'est un serment et je crois que les premiers actes que nous avons posés sont de nature à prouver que ce que nous disons, ce n'est pas juste de la communication. C'est une détermination, c'est un serment et c'est un engagement irréversible, Inch'Allah.